Les amis de Bordeaux annulent le remix de la musique de Viviane. Depuis hier qu'il a annoncé cela, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Parce que je ne m'attendais pas à cette sortie-là. Ça, c'est vraiment un coup de marteau que des Bordeaux vient de nous donner. Quand je dis nous, nous les Camerounais. Parce que moi, je parle de moi personnellement. Quand je faisais mes sorties pour mettre la pression sur des Bordeaux, j'étais très loin de penser que des Bordeaux pouvaient annuler ça. Donc c'était juste pour moi une manière de dire des Bordeaux, pardon. Il faut que tout se passe selon les règles. Je vois beaucoup de personnes également crier sur Malos après sa sortie. Mais je me demande toujours, je me pose toujours une question. Est-ce qu'on se comprend vraiment? À quel moment Malos a interdit des Bordeaux de ne pas collaborer avec Prince Aimé? La seule chose que Malos demande jusqu'à présent, il faut signer un petit bout de papier avec Prince Aimé. Là, on dort tranquille. Même le fait qu'ils ont levé pour lui qu'on va faire le remix, c'était à cause des intentions de Desbordeaux. Allumons nos cerveaux. Pourquoi Desbordeaux annule subitement, selon mes analyses personnelles, c'est comme un bandit qui a voulu voler. Quand on dit que qu'est-ce que tu fais là? Il dit que non, je cherchais mon portefeuille qui est perdu. Il annule son vol. Il fuit, il dit que non, ce n'est même pas l'intention que j'avais, je ne voulais pas voler. Qu'est-ce qui prouve réellement que si on n'avait pas fait des sorties pareilles, Desbordeaux devait chanter et que Prince Aimé devait recevoir les droits d'auteur? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'on a vu des vidéos, il y a des vidéos qui circulent là, sur Internet. Desbordeaux a commencé à faire même faisait même les concerts avec le titre de Viviane depuis, pendant que Prince Aimé était là, il souffrait. Pour ceux qui demandent que vous étiez où depuis, quand Prince Aimé souffrait. Desbordeaux faisait les concerts avec le son de Viviane, non? Pendant que Prince Aimé, hein? Pendant que Prince Aimé était toujours aussi en train de souffrir. Écoutez le chemin de Desbordeaux. Hein? Je dis qu'allumons nos cerveaux et comprenons bien le chemin que Desbordeaux a d'abord pris. Desbordeaux commence par la négociation. Parce qu'il croyait que c'était une petite affaire. Comment parler qu'il donne 500 000? Quand on ouvre les yeux, on commence à parler. Il sort, il dit que non, il préfère ne plus travailler avec Prince Aimé. Ce sont tous ses fans qui lui mettent la pression. Et là, il a sorti le son avec Fouda. On se lève, on dit que non, mon frère, ce que tu dis là n'est pas normal. Il revient, il dit ceci, allez suivre son direct. Il dit qu'il va faire le son en trois versions. Avec Fouda, avec Prince Aimé et lui seul. Toujours Viviane. Il va sortir trois sons. Allez bien suivre ce qu'il a dit. Personne n'a refusé. Hein? Personne n'a opposé. Hein? On a juste demandé que fais même 10 sons. Mais nous, on veut seulement que signe un petit document avec Prince Aimé. Voilà le nœud du problème. Tous les gens qui babababababababab là. Il a ressuscité Prince Aimé, il a fait ce qu'il a fait. La seule chose qu'on a demandé à Desbordeaux, papa, viens voir Prince Aimé, respecte Prince Aimé, respecte-nous aussi les Camerounais. Il a dit qu'au lieu de vous respecter, au lieu de respecter Prince Aimé, mieux il annule tout. Les gens sont en train de pleurnicher, les gens sont en train de crier sur Malors. Malors a fait quoi? Je vois les gens partir ressusciter. Petit Fally, en disant que tu avais toujours crié comme ça, qu'on voulait aider Petit Fally. Petit Fally est où aujourd'hui? Ok, Petit Fally est où aujourd'hui? La même personne que vous dites qui voulait aider Petit Fally a aidé combien de personnes? Malos n'a pas parlé. Malos est resté tranquille. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Ils sont où? Leur situation est mieux que la situation de Petit Fally. Je ne suis pas en train de m'attaquer à mon grand frère que je respecte beaucoup.
C'est juste un exemple. C'est pour ça qu'il vous demande d'allumer vos cerveaux. Quand vous prenez Petit Fally aujourd'hui pour vous venger contre Prince Aimé. Oui, Petit Fally, il était sorti crier. Et c'était différent. Il demandait que laisse Petit Fally parce que tu as pris les autres, on n'a pas vu le résultat. Selon ce qu'il disait, que tu prenais les autres pour te faire des poches avec et non pour les aider. Ça, c'est ce qu'il disait, pas moi. Allez encore, les vidéos sont sur Facebook. Et nous tous, nous avons suivi. Oh, ici, il ne dit pas « laisse Prince Aimé ». C'est différent. Il dit « frère, travaille avec Prince Aimé, mais c'est une bonne base. Ne dis pas les choses avec la bouche. Où sont les autres donc qui n'avaient pas parlé que le même grand frère là a travaillé avec eux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quand vous prenez Petit Fally aujourd'hui pour venir insulter Malos. Malos a dit quoi? A fait quoi de mauvais? Est-ce que Malos a interdit des Bordeaux de ne pas collaborer, de ne pas travailler avec Prince Aimé? Malos demande tout simplement de respecter Prince Aimé, non? Où est le problème? Moi, je vois plutôt que des Bordeaux avaient des tendances suicidaires. Des Bordeaux avaient des mauvaises intentions. Et comme ils voient que les Camerounais se sont levés, moi, je vois beaucoup qui sont en train de voir plutôt l'aspect. Il a ressuscité Prince Aimé. Il a ressuscité quand Longuet avait pris Prince Aimé. Les autres artistes étaient où? Longuet est aussi où depuis que cette affaire s'y chauffe? Longuet est aussi où depuis que l'affaire s'y est sur la toile? Longuet est aussi où? Mais chacun n'a qu'à faire son boulot. Longuet ne devait pas s'élever. Bon, je suis parfaitement d'accord que les gars pouvaient aussi contribuer. Il y a les choses qu'ils ne veulent pas dire. Parce que c'est que des petits trucs qui se disent dans le barbare. Mieux, je reste tranquille. Posez-vous d'abord la question à savoir pourquoi Longuet ne se prononce pas depuis. Il n'est pas au courant de quoi. Il ne suit pas tout ce qui se passe. Mais il ne parle pas. Pourquoi? Posez-vous cette question. Bon, l'objectif ici, c'est d'aider Prince Aimé. Ce n'est pas de le détruire. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le buzz qui continue, que des Bordeaux continuent à allumer le buzz parce qu'il est capable de dire comme ça et que demain, vous constatez seulement que, pam, il a sorti le son même avec Prince Aimé. Parce que vous savez que les créateurs de buzz, là, ils peuvent vous faire bavarder. Il ne fait que faire des posts pour voir vos intentions. Moi, j'étais très loin de penser que des Bordeaux pouvaient se comporter comme ça. Mais vraiment, grand frère des Bordeaux, ce n'était pas mon intention, papa. Je ne vois pas où ça fait problème si tu sors ton son et que même d'autres personnes sortent aussi pour eux. Où est le problème? Surtout quand on sait que c'est toi le maître des beurs, c'est toi qui as créé ce beurre et c'est toi qui as, je veux dire quoi? Tu as le monopole sur tout même. Tu as 80% à 90% même que ton son marche même plus que les autres. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais je dis que jusqu'à présent. Mais comme tu as décidé, je ne sais pas trop l'esprit qui t'a animé. Bon. Je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, on est en train de suivre l'affaire. Je pense, je continue à me dire que c'est le buzz que tu es en train de créer et que les choses vont s'arranger. Notre souhait était juste que tu signes les papiers avec Prince Aimé, vous travaillez sans problème. Merci de partager la vidéo. C'était Eugène Franco.